On va reprendre toujours dans le premier palais dont on avait dit qu'il s'appelait le Echal Livnat Asapir. Quand on va rentrer maintenant de façon progressive, parce que c'est assez compliqué, dans cette architecture des palais, évidemment tout est connecté. Mais maintenant, pour, pour la clarté de l'exposé, c'est de bas en haut. Donc nous, on commence par le palais du bas qui s'appelle le Echal Livnat Asapir. Mais maintenant, comme ces palais sont tous en interaction, c'est un peu comme des éléments, comme j'ai dit la dernière fois, peut-être même ils sont les uns à l'intérieur des autres. Donc, nous on a vu la dernière fois l'aspect extérieur du palais. Vous vous rappelez, il y a une porte, il y a un gardien, lui il dit qui rentre et qui rentre pas. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ceux qui ne rentrent pas dans le palais. Et on a vu la dernière fois qu'il y avait une porte spéciale. Que on va reprendre maintenant à ce niveau-là. Donc, dans ce palais passent les âmes et les prières. En général, c'est tous les palais, mais on verra effectivement s'il y aura des, des distinctions. Maintenant, au-dessus de la porte principale, il y a une autre porte. Ça, on l'a vu la dernière fois, donc c'est pas la peine que je vais vite. Et ce sont les portes que Kadosh Baruchou a réservées pour ceux qui pleurent en priant et ça s'appelle c'est ça qu'on appelle Sharidima et qu'on a expliqué que Sharidima loninalo. Très bien et lorsque maintenant les prières elles montent les prières qui ont été faites en pleurant, elles vont avoir accès à, à cette porte spéciale. Là-bas, il y a un Hofan dont on a dit le nom la semaine dernière et lui, il est occupé à faire rentrer les prières particulières par cette porte-là qui est une porte particulière. On va maintenant parler d'un sujet important qui s'appelle le havir du palais. C'est quoi le havir du, du palais? J'ai presque envie de traduire par l'atmosphère du palais. Havir, évidemment, c'est l'air. Ça veut dire, c'est là, comme j'avais dit la dernière fois, la couleur du palais, sa spécificité. Be peni miyout Donc, dans l'air, de l'intérieur, c'est-à-dire maintenant on est, on est rentré dans le palais, on n'est plus dans les portes de, de, de ce palais. On va avoir maintenant dans ce palais ce que, c est, c est ce que le Zohar appelle des roux, c'est-à-dire des esprits ou le souffle du palais. Donc maintenant, il faut être doucement. À l'intérieur de Pnimiyouta et Khalazé, on va maintenant déterminer un premier roi. Ce premier roi, il est lié à un nom. Il y a les deux versions. Vous verrez là-bas. Maintenant, ce roi là qui est à l'intérieur du palais, lui, il va correspondre au côté sapir du palais. J'explique. Le palais s'appelle l'ivnat à Sapir. Alors le palais, il est. C'est pas simplement son nom. C'est aussi. C'est aussi sa structure. C'est aussi son essence. C'est aussi ce qu'il est. Donc. Il y a un côté maintenant dans le palais qui va s'appeler le côté sapir. Vzeo, sapir, aniskar le Donc, à l'intérieur du palais, il y a un premier esprit général qui s'appelle, voir les noms là-bas, et qui s'appelle le sapir. Et celui-là, comme le sapir, le saphir, c'est clair que c'est une pierre précieuse, il va avoir deux couleurs. Vegevanok kegvana et donc, il a la couleur du sabir. C'est pour ça que j'avais envie de traduire par une espèce d'atmosphère ou de couleur ou d'ambiance du palais. Que, donc, il y a une couleur dans le palais. Mitnotsets, il va étinceler. Ou Mitralek, et il va se diviser les bêtes Meorot en deux principales lumières Amaorechad Lavan, une première lumière blanche les col et cette première lumière blanche qui est liée à l'esprit sapir du palais, elle va étinceler les Khol Roua Maala ou Mata Vera dans toutes les directions du palais. Nord, sud, est, ouest, haut, bas. Donc la première couleur, elle est blanche. blanches. Maor, Racheni. Et, la, et la, le deuxième luminaire... Lui, il est caché, et des fois, il va se dévoiler. Ou Et de cette lumière-là, la deuxième, Midparshim arba meorot, vont se, diviser encore quatre autres lumières. Les arba ruchot, dans les quatre directions, ve kulam meor et tout ça, ça provient d'une seule lumière. Il ne vous l'a pas dit encore, mais cette, cette deuxième, elle est rouge. Donc on a une lumière blanche d'un côté et on a une lumière rouge, évidemment, parce que le saphir ici, il est vu comme étant blanc-rouge et composé de plusieurs couleurs. Bien qu'effectivement, c'est compliqué les, les couleurs vraiment quand on regarde ce que c'est un, un saphir, mais ça, le soir, il, il en avait déjà parlé. Vehelu anetsutsot et ses étincelles. Elles vont éclairer une érochette comme de l'airain. Kalal, qui est poli et qui est de couleur rouge. D'où ça vient Ça vient toujours de notre premier chapitre de Ézéchiel. À Ézéchiel, à un moment, il va voir les pieds. Pour rappeler la, la, la question de Rachid, que là-bas, qu il y avait marqué que, que c'était des, des pieds de veau, et Rachid a dit qu'il faut dire agoul, c'est-à-dire que, que c'était des pieds ronds, et que, que c'était un seul pied. C'est de là qu'on apprend que dans la Mida, il faut mettre les pieds ensemble. Et les pieds, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas kalal Et ils vont étinceler comme une sorte, on a vu la différence qu'il y avait entre Mar et Edmund dans la vision d'Ézéchiel, et ils vont étinceler comme de l'airain poli. D'accord Très bien. Alors maintenant, on a une vraie question. Parce qu'il est en train, le Zohar d'ailleurs, dit que, du coup, ce palais-là, on va maintenant pouvoir, comment dire, pas comparer, mais mettre ça en relation avec la vision d'Ézéchiel. Or là, de quoi on parle Puisqu'on parle des chayotes. On parle des pieds des chayotes. Donc, si en tout cas, on veut voir la, le, le rapprochement entre les palais et les chayotes, ici, on est au niveau des pieds. Parce que c'est le premier palais. C'est le palais d'en bas. Nechoshet klal. D'accord Alors, et rappelez-vous que les rats... Pourquoi les reins? Vous vous rappelez, c'était la question qu'il avait, nécrochée. Euh, euh, c'était la question qu'on avait posée à propos du kior et du canot. Les, les, les métaux. Pourquoi est-ce que c'est chesed? Pourquoi est-ce que c'est pas en argent, etc. Mais tout cela, c'est du côté droit du palais. Et ça s'appelle le sapir. Parce que le palais s'appelle à sapir. Donc, maintenant, le côté sapir, il est du côté droit du palais. Kacher Arakia, Aelion, lorsque maintenant l'étendue supérieure, qui est la Bina, Meatzelet Aneshamot, elle va émaner des âmes. Alors, je vous explique, évidemment, c'est complexe. Les palais, comme je vous l'ai expliqué, ils reçoivent toutes les, les uns des autres. D'accord Très bien. Dans ce palais ici, ce palais, il va recevoir quelque chose qui passe d'en haut, parce que même quand les choses elles vont de bas en haut, elles vont monter de palais en palais, et, et quand elles vont de haut en bas, elles descendent de palais en palais. Donc maintenant tout de suite, on va regarder le septième palais, le dernier, le dernier palais qui s'appelle le Ehra Lashevi, que lui s'appelle le Kodesh Kodashim, le saint des saints. Ce septième palais, c'est là d'où émanent les âmes. Et maintenant, les âmes, elles descendent, et elles vont arriver à un moment dans ce, dans, dans ce septième palais, c'est-à-dire le septième palais de haut en bas, qui s'appelle l'Ivnat à Sapir. Donc, quand les âmes, elles descendent, on relit. ka lorsque l'étendue supérieure, qui est la Bina, c'est-à-dire le degré d'en haut, Mehatselet, elle va émaner les âmes, Betor, dans le septième palais qui s'appelle Kodesh-Kodashim, c'est-à-dire celui d'en haut. Comme nous l'expliquerons là-bas, expliquera que, que les âmes, elles, elles, elles proviennent de là. Qu'est-ce qu'il a dit ici il, il a dit que les âmes, elles proviennent de Bina. Ça effectivement, on le sait depuis longtemps, que les âmes elles, elles proviennent de Bina, et que maintenant ces âmes-là, quand elles vont descendre par la voie des palais, elles vont déjà commencer par par, 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 par rentrer dans le palais de Kodesh, de, de Kodesh à Kodashim. Et lorsque ça va descendre en bas, en bas, en bas, en bas dans le palais de Livnat à Saphir, alors là, ça va donner, ça va donner une lumière. Et c'est ça la lumière du saphir. Et cette lumière du saphir, elle correspond au côté droit du palais. VK Et lorsque maintenant va descendre l'éveil de l'Abinah vers le septième palais, alors les âmes, au départ, elles sont masculines. Haz aneshamot Pourquoi Mitam, zakhara Parce que c'est la question qu'on a dans la parachute de, de Tazria la, la, la Torah, elle a dit, Isha qui Tazriya, Une femme qui va ensemencer, et ça fera un garçon. Tout le monde a la question, et Rachir ramène là-bas, il dit, donc si c'est elle qui ensemence en premier, est-ce que c'est un garçon Si c'est lui, est-ce que c'est est -ce est une fille Mais en tout cas, c'est une grande question, ça l'avait déjà étudié longuement avec M. Seban, à propos, bon, on va pas revenir là-dessus. Et, et les âmes, quand elles sortent de la bina, au départ, elles sont, elles sont sous influence, elles sont sous prédomination gover à Zachar la Et ça, ça s'appelle Zachar. Pourquoi Alim Gavar C'est quoi qui met Alim Gavar C'est une expression dans l'Agmara. C'est quand on a une dispute sur des choses, c'est une espèce de présomption par la force. Qui parce qu'en fin de compte d'en haut c'est d'abord le féminin qui sort et quand c'est le féminin qui sort ça va produire des âmes et donc maintenant lorsque va descendre l'âme c'est ce que cette force supérieure elle va se renforcer et ça c'est le côté zahra et donc maintenant, dans notre, dans notre, dans notre palais d'en bas, à nous, qui s'appelle le Livazapir, qui est le palais numéro 1, alors Arouachazé à Saphir, et donc ce, cet esprit-là qui est Saphir, qui est du côté droit, chez qui Ouzakhar, qui est donc masculin, comme nous l'a expliqué, Loketotam, il va donc récupérer les âmes qui sont descendues dans les palais, les matas, Ad, chez Yochlilou et on va maintenant les associer à leur côté féminin les phaserambolamazé, pour que maintenant après, ce soit distribué dans ce monde-ci, dans les hommes. Et c'est comme ça qu'on qu aura après l'âme masculine et l'âme féminine. D'accord Aïnanazé. Et cette chose-là, on l'a déjà expliqué dans Sharmaud vanaga, dans, dans, dans le chapitre 17. Regardez là-bas si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que du, quand les âmes, elles descendent, à sud, au départ, elles descendent masculines et après, quand elles vont descendre dans ce palais, le dernier palais, le premier donc nous de, le premier donc nous de bas en haut. Après, il y aura des âmes masculines et féminines. Et après, dans, dans le monde, on aura ces âmes là. Elles vont après se, se disperser. small. Mais maintenant nous on était du côté droit. Maintenant du côté gauche. à small. Donc, maintenant, du côté gauche du palais, on a aussi un, un, un air intérieur, à Pnimuto, ou Oarechad, et lui s'appelle l'Ivnat. Vous avez compris Donc, on a l'Ivnat à Sapir. Maintenant, le Sapir, il est du côté droit, et l'Ivnat est, il est du côté gauche. Lui aussi, il est lié à un nom Kadosh, il est marqué ici. Véamaorazé. Et là, la couleur, elle est blanche. Mais là, c'est du blanc et du rouge mélangés ensemble. Pourquoi Parce que ça provient de la lumière du côté droit qui était blanche avec des étincelles rouges que des pyragnes. Donc du côté droit, c'est du blanc et du rouge séparés. Et du côté gauche, c'est du blanc et du rouge ensemble. Ou a maoras mali Et donc maintenant, lorsque va arriver cet, cet étincellement de la lumière gauche, B ni toutes dans le maintenant du côté droit, parce qu'effectivement, ça va dans les deux sens. Le côté gauche, il va maintenant s'inclure, ou il va plutôt se dissimuler dans, dans le côté droit. Et il est inclus en lui. Et donc, on ne le voit plus du tout. Comme une femme qui va se mettre, qui va, qui va être pudique pour que derrière son mari. En gros, c'est ça l'idée. Et ça, ça s'appelle le côté livnat. Très bien. Maintenant, l'ivnat, nous on avait une question. Qu'est-ce que ça voulait dire l'ivnat Vous vous rappelez que quand on avait vu le verset que j'avais ramené à propos de l'ivnat à Saphir, euh, on avait dit est-ce que l'ivnat c'était la blancheur du saphir ou est-ce que c'était, vous, vous rappelez, la pierre ou la brique, vous, vous rappelez du saphir On avait posé la, la question quand on avait vu ça. Alors, ce, maintenant, cette lumière-là qui s'appelle la lumière de l'Ivnat, inekeva, elle, elle est féminine. Parce que l'Ivnat, évidemment, c'est féminin. « Ubiyot itorerut milemata » Et maintenant, lorsqu'il va y avoir un éveil d'en bas, « la lachévi azé » Deux. Maintenant, pourquoi Parce que quand maintenant il va y avoir quelque chose de ce palais d'en bas... Le septième ici, c'est-à-dire le septième de haut en bas. Vers la bina. Ça veut dire que ça remonte. Et les âmes qui vont être influées, ça, ça sera des âmes féminines. Donc, il y a des âmes masculines qui, 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 qui proviennent d'un mouvement de haut en bas. Et il y a des âmes féminines qui proviennent d'un mouvement de bas en haut. Anechemot, anekevot, et ces âmes féminines, acharkar après yordot, elles vont descendre. Mais aicha la depuis ce septième palais, azé ou otam otamamahor azé, et donc ce côté maintenant l'ivnat il reçoit ces âmes là, ou mityardot chéte et donc maintenant les deux lumières elles vont se mélanger. Et maintenant, et donc les âmes masculines elles vont se mélanger avec les âmes féminines. Vacharonekeva, ou mitchardot aneshamot. Et donc, maintenant ces, maintenant, ces deux âmes, masculines et féminines, elles vont s'unir. Veyordim et elles vont maintenant descendre. Meyuchadim uni, ça veut dire que maintenant, chaque côté masculin trouve son côté féminin. Et elles vont descendre. Où est-ce qu'elles descendent? Dans le Gan Eden. Donc, s'il y a un Gan Eden, vu que d'après le Zohar, il, il, il y en a plusieurs, il est donc en dessous des palais. Et après, ça descend dans le, dans le gan Eden. Et d'ailleurs, le Ramak, il est plus subtil. Les Gan-Eden, chez les Mata, ça veut dire du Gan-Eden d'en <laughs> dessous. Ça veut dire peut-être qu'il y en a d'autres. Et, et de là-bas, après, elles vont se reséparer pour descendre sur Terre. Et quand on a dit que, qu'est-ce qui vous rappelle de la elle dit, mais le saint béni soit-il, on a posé la question, elle dit, mais Dieu, il fait quoi depuis qu'il a créé le monde? Alors, elle a dit, de, de, depuis qu'il a créé le monde, Dieu, il fait des unions. mais avec Zivugim. D'accord? Même qu'on a dit que c'était aussi dur que chrétien Souf, etc., que c'était la chose la plus dure au monde. Il a dit, mais si c'est comme ça, vous rappelez l'histoire? Si c'est comme ça, c'est facile. Alors, il a dit, moi si je veux faire ça. Et lui, il, il, il a formé 100 couples et ils ont tous fini par s'entre, par centre, déchiré donc il a dit effectivement je reconnais il n'y a que Dieu qui est capable de faire des vraies unions ça c'est connu comme on a expliqué dans le zoa et qu'on a ramené ça dans charmeau de vanaga dans le chapitre 22 Véjeté à Et donc maintenant, ces deux lumières, celle de Livnat et celle de Sapir, avec du côté masculin, du côté féminin qui monte et qui descend, c'est ça qui va former ces lumières-là. C'est ça c'est pour ça qu'on va les appeler Livnat à, à saphir. Et donc, du coup, quand on a fait ce Livnat à saphir, les noms vont, vont s'associer. Et c'est pour ça que maintenant on va avoir les, les noms qui, qui sont marqués, qui, qui sont marqués ensemble. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a un nom du côté Livnat et deux noms du côté. Pardon, il y a un nom du côté Saphir et deux noms du côté Livnat. Et c'est ça que ce nom-là, qu'on va avoir, ce nom-là qui est marqué ici, ou Et donc maintenant, lorsque vont s'unir et, et s'associer ces deux esprits-là, Ayamin, Vasmol, le côté droit et le côté gauche. Nihlalot, ni et donc maintenant vont, vont, se, vont se totaliser les âmes masculines et féminines. Donc c'est à partir de ce palais-là que vont descendre aussi, par rapport au monde d'en bas, les âmes du côté masculin et du côté féminin. VKHR. Nirla lim Donc, maintenant, lorsque ces deux côtés, c'est-à-dire le côté livnat et le côté sapir, qui sont eux, ce qu'on appelle les ruchotes, les esprits de ce palais. Ou baim, les itchached, et qui vont venir, et qui vont venir s'unifier. Bepegiatan, lorsqu'ils vont, lorsqu'ils vont se toucher, les les est basé, et que l'un va, va se totaliser dans l'autre. Veaz. Mitnotsesim, et donc maintenant, ça va, ça, ça va, ça, ces deux lumières là, elles vont, elles vont, elles vont, euh, elles vont former des étincelles. V'enivraim ou mitpachtim ou mitpotsetim. Et donc maintenant, il va expliquer, c'est comme des étincelles qui vont jaillir de tous les côtés. Les kholsad mina maor asmali netutsot. Et donc de tous les côtés de cette lumière gauche, ça va faire des étincelles. Veotam netutsot toutes autres, et c'est ça que ces étincelles-là, elles vont former Léophanie, dont l'Écriture a dit toujours dans Ézéchiel, Maréophanie, et qu'il a vu Léophanie. Alors, évidemment, c'est très très complexe, parce que du coup, on, on perd beaucoup de repères. Ça veut dire, il est en train de nous dire, c'est ça qui va faire les âmes. De toutes les manières, c'est clair que d'après le soir, on sait très bien. Que les âmes elles sont plus hautes que les anges. Très bien. Donc ça c'est clair. Les âmes elles proviennent d'un degré beaucoup plus haut. Ça c'est clair. Maintenant il est en train de dire ici que de ce, que de cette que de, que de cette on va voir c'est comme de, de, de cette béticha, de ce, de, ce, de cette collision voilà de cette collision des lumières vont sortir des étincelles et qui vont former les Dinan Dinan, kedin chayot qui ont, vont avoir le même statut que les chayotes. Vous vous rappelez qu'il y a une différence entre les ofanim et les chayotes. Pourquoi Parce que les ofanim c'est le degré le plus bas. Ve ofanim alei, et donc ces ofanim là, ils sont, ils, ils sont comme des, euh, des, des incandescences de feu. Ve omnim bashura et ils se tiennent en, en ligne. Et donc maintenant, ces étincelles-là, ça ressemble comme des étincelles qui vont, qui vont étinceler sous le marteau du ferronnier. Mais tahata beakato la lorsque le marteau, il va frapper le fer. C'est comme un marteau qui frappe du fer, et quand il frappe du fer, ça fait sortir des étincelles. C'est exactement à ça l'image qui est là. Adolek, chez Zorek, et donc effectivement, faut que ce soit fait, pour que ça marche, il faut que ce soit fait sur, sur du fer incandescent. Ou Kemochen, et, et, et c'est à ça que ressemble cette collision de la lumière droite avec la lumière gauche. Bébé Tisha Basmali. Et donc lorsque vont maintenant s'unifier ces deux esprits, et c'est donc ces deux lumières, qui sont l'ivnat à sapir, va sortir maintenant une seule lumière, qui est une chaya, hola qui va monter et qui va descendre ou à alarba ofanim et elle va elle se tenir sur quatre Ophanim. parce que les Ophanim sont en dessous des chayotes. comme dans comme dans Ézéchiel, comme nous l'expliquerons alors va sortir une chaya alors c'est quoi cette chaya c'est la chaya qui va correspondre au lion ou chaya zot kari et al elef ou shlosh et elle va dominer, attention, lf, 1000, v'chloch meot ribo, et 300, comme on a dit, des euh, ribos, des myriades, ofanim, achirim, d'autres ofanim. Vous vous rappelez que pour chaque ofan, il y a, pour chaque ofan, il y a, enfin, pour chaque, je réponds, pour chaque chaya, il y a des milliers d'ofanes qui dépendent d'elle. 1000 evad à arba ofanim, elle est, en plus des quatre ofanim dont on vient de parler. Et ils sont organisés en deux rangées. Vela, Knafaim, Et maintenant, cette chaya, elle a des ailes d'aigle. Et cette chaya-là, elle s'appelle Bazak. C'est pour ça ezekiel il avait Kemar et Bazak et Bazak, on avait traduit nous comme étant un éclair. Et de ce Bazak-là va se déployer encore une étendue. Et cette étendue, elle se tient sur deux colonnes. Une de chaque côté et le Rakia qui est au-dessus. Et ces deux Amoudim, ce sont quoi Ce sont des kirovim. Et à propos de ça, il est écrit. Et c'est ça que le Ézéchiel il a vu. Mais Ézéchiel il a vu ça où? Beaucoup plus tard. C'est pas dans c'est pas dans Masémerkava. Il a vu là bas. J'ai vu un raquia qui était sur la tête des kérovims. Mais ce n'est pas le même raquia qui dont on a parlé qui était qui était sur la tête des chayot. C'est un autre que celui-là, celui il est au-dessus des, il est au-dessus au des kérouvim. Vea la Et donc, et ce qui là on va maintenant le nommer du nom de son préposé, qui s'appelle donc Bazak. Veoua socher à la colle, et c'est lui qui va donc, socher, ça veut dire, c'est lui qui fait le toit. Socher, c'est le fait de, de, de mettre un toit, de recouvrir. Uberakiaze, mitakeni matéphilote. Et donc maintenant, on revient à notre sujet. Et de ce rakiala, c'est de là qu'on va organiser les prières. Ad, chez Mitkabetsim Koulam, jusqu'à ce qu'elles soient toutes rassemblées. Rappelez-vous qu'on attendait que tout le monde ait fini, ait fini les prières. Et qui était celui qui s'occupe, lui on peut dire son nom en tout cas un petit peu, qui c'est qui s'occupe lui maintenant de rassembler, enfin pas, pas de rassembler, mais de faire monter les prières, c'est Sandelfon. Comme on l'expliquait plus haut, et de même. Donc c'est comme ça maintenant que ce mouvement se fait par rapport aux prières. Donc si vous voulez, on peut le voir de plusieurs manières. Ici, ici il nous explique par rapport aux lumières qui se passent, aux anges, comment ça se produit, les rakia, les anges, etc. Mais c'est la manière dont vont effectivement, comme on l'a dit depuis le début, monter ou descendre. En tout cas ici c'est monter les prières monter les âmes, mais aussi descendre les âmes dans les mondes d'en bas. Mais, ce pas uniquement les prières. Kol otam Tous ceux qui étudient la Torah la nuit et qui prient. Parce que ceux qui étudient la Torah après ça n'a aucun rapport avec toute la Torah du jour. Et ceux qui prient. Ve kol advarim Et donc, ce bazak-là, c'est lui qui, qui, qui prend tout ça. Pourquoi parce qu'il y a un principe que ce qu'on fait la nuit, il faut attendre le jour pour que ça monte. C'est un principe, on va prendre un peu de temps pour expliquer ça. Parce que les choses, elles ne montent pas d'un coup. Les choses, elles prennent du temps. Et l'un l'une des manières, c'est déjà par rapport au cycle du temps lui-même. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Torah la nuit, le soir, il dit, 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 dit lui-même lui par rapport à un verset c'est uniquement quand l'aube arrive que ça monte. Ça ne monte pas de suite. Donc ça, maintenant, celui-là, il récupère tout ce qui s'est fait pendant la nuit et il attend le matin. Pourquoi Parce que le matin, il y a déjà un mouvement naturel des mondes. Rappelez-vous simplement que dans l'histoire de Jacob avec l'ange, il lui a dit, c'est le matin, je dois remonter. C'est pareil. Et maintenant, une fois que le jour se lève, et que la lumière éclaire, au Tamat Philot, toutes ces prières et la Torah qui, était, qui a été étudiée, Olot, sa monte, ou Mistalkim, elle a Rakia à Anikra, et elles vont aller dans une étendue qui s'appelle Sefer Zicharon, le livre des souvenirs, dont, dont on parle, c'est-à-dire que c'est là-bas que c'est là enregistré. Maintenant, on va terminer avec ça. Ce fameux Bazak, Aniska, lui, on a dit qu'il se tenait au Med Alarba Et il va se tenir sur quatre Fanim, Et les Ophanim, ici, vont avoir le rôle de roue, VM Agalgalim. Et leur nom, c'est marqué ici. Très bien. Maintenant, on a ici quatre noms. On a donc apparemment trois noms d'anges. Mais on a un nom qu'on connaît, c'est le nom de l'octogramme. Yud kol echad et chacun se tient sur quatre colonnes, ce qui fait donc seize colonnes. Seize colonnes pour quatre. L'arba galgalim, ou les kol echad meharba ofanim, et pour chacun des quatre ofanim, ils ont chacun quatre faces. On n'est pas vu nous dans Ézéchiel que les ophanim aussi ils avaient des faces. Nous n'avons vu ça par rapport à quoi Par rapport aux chayot. Mais ici il dit que même les ophanim ils ont ça. Ce qui va donc faire chez m vav panim les ophanim. Ce qui va donc faire 16 faces pour quatre ophanim. panim alei et ces faces là mabitim les arbar et vont regarder donc dans les quatre directions. Et le bazak Chahomead qui est au-dessus au d'eux. et ces quatre ofanim-là, nichlalim, ils vont se totaliser dans les quatre lettres du chémadni. C'est pour ça qu'on on étudie ça, parce que c'est dans le Zohar, à Kadosh. On ne peut pas ne pas le faire, c'est obligé. Mais finalement, le chémadni, il contient tout. Donc quand le Harizal lui dit qu'il faut, il faut effectivement aller vers le degré qui est encore le plus haut, de le degré des lettres, que est le degré des lettres de la lumière, donc finalement le Shemani, il comprend tout. Parce que, donc tout ce qu'on a dit maintenant, ça revient à quoi Ça revient à quatre ophanim qui vont correspondre aux quatre lettres de, du Shemani. Pourquoi Chez Sandalphone, et c'est de ces quatre lettres dont se sert le malard qui s'appelle Sandalphone qui lui fait monter les prières. Et ces quatre Ophanis, maintenant, ils vont s'envoler dans, dans, dans de l'air pur. Et cet air-là, il est totalisé dans les quatre lettres de Yudkevavke. Donc quand les Azohar au début, ils disent que tout est lié sur le Shem de 8, ça veut dire qu'il y a tout ça derrière. Rappelez-vous ce qu'on avait vu sur Az. Quand on avait dit Az Yachir Moshe. Dans le, dans le Pardes, qu'est-ce qu'il avait dit Az, Il a dit, c'est le mystère du schéma de huit lettres. Az, ah, c'est sept et un huit. Donc, les ticonasoirs, au début, ils disent, mais tout ça, ça repose sur le schéma de Parce que ça comprend tout. Ici, je, ici, je vous explique. Techniquement, tous les Ophanim qu'on a vus, etc., ils sont totalisés dans le shem Adni. Parce que les Ophanim, ils sont liés par rapport au bas, à la malroute, Et ça va monter dans un degré supérieur qui est un degré plus haut. C'est ce qu'il a dit. Shavirahuk kalur et qui va correspondre aux quatre lettres de yud kevavke. Yud kevavke, c'est plus, c'est différent. V'nichlalim, v'nichlalim otiot adni, otiot yud kevavke. Et donc maintenant, vous vont se totaliser les lettres de adni dans les dans les dans les lettres de yud kevavke. Donc c'est pour, pour pour former notre notre Vm, Meshulavot, isha Lachota, et donc ils vont être maintenant imbriqués les uns dans les autres. Et donc maintenant vont être mis ensemble les anneaux. De quel anneau on parle Les anneaux du Mishkan. C'est ça le secret des anneaux du Mishkan. Et c'est pour ça que dans le zoar, on a placé les chalot quand on a parlé là-bas de Pekoudé. Quand on a parlé donc des mesures du Mishkan. Parce que dans le Mishkan, il y a les lulaot et il y a les adanim. Et les adanim, c'est le chemadni. lalim Oh. À Et donc, tout ça, maintenant, va se retrouver dans, dans une lumière globale, qui s'appelle la lumière de l'octogramme, du Yudke Adni. Et ce shem, là, c'est le nom qui représente la totalité de ce echal. Donc, tout ce echal, il correspond au yihoud, avaya adni, baruch adonai leaolam, amen ve amen.